Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, encore une énigme. Du papier peint? Un petit matelas? Mais ce sont des berceaux neufs, non montés. J'ai peur de comprendre. Tout est encore emballé. Dois-je en déduire que j'attends des bébés? Non, je n'y crois pas. Il y a même un début de layette ici. Une table allongée avec un tiroir. Peut-être qu'à l'intérieur j'aurai plus d'indices. Rien que des vêtements pour nourrissons. Je ne suis pas enceinte, et pourtant tout dans cette pièce me dit le contraire. J'entends le téléphone qui sonne. Enfin un peu d'espoir. Pourvu que ce soit quelqu'un qui me connaisse bien. Bérénice? Ce nom ne me dit rien, mais c'est sûrement quelqu'un que je connais bien. Bonsoir Sophia! On n'a pas pu résister à vous appeler! Alors tu t'en sors avec la petite? J'ai oublié de te dire qu'elle avait toujours beaucoup de mal à s'endormir, depuis la naissance de sa petite sœur. Oui, c'est dur à 2 ans et demi d'avoir déjà une petite sœur. Excusez-moi, mais j'ignore de qui vous me parlez. J'ai perdu la mémoire et si vous pouvez m'aider à... Perdu la mémoire? Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût, Sophia. Tu sais que je m'angoisse très vite. Allez, Sophia, passe-nous Lily. On a hâte de l'entendre. Elle nous manque déjà. Je vous assure, je ne plaisante pas. À part moi ici, il n'y a personne. Je vous jure que je ne me souviens de rien, je... Cesse de nous vouvoyer, ça me stresse. T'es sérieuse, là? Où est ta filleule? Où est ma fille? Arrête cette mauvaise plaisanterie, Sophia. Ce n'est vraiment pas drôle. Filleule? Je suis la marraine de votre fille, c'est ça? Je vous en prie, dites-moi plus, c'est très important. Nom d'une Barbie, on m'a confié une enfant et je l'ai perdue. Non, 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 Sophia, dis-moi que ce n'est pas vrai. Bérénice, ma chérie, garde ton calme, pense à ta tension. J'étais complètement nue dans la rue. Je me suis souvenue de mon prénom et de ma maison. Celui qui m'a aidée ne m'a pas parlé d'enfant. Par contre, il avait des vêtements pour enfant dans ses bras. Mais il m'a dit que c'était pour l'enfant d'un ami. Peut-être m'a-t-il menti? Damien, Sophia est devenue complètement folle. Et ma fille a disparu. Elle ne sait pas où est ma petite Lily. Damien, c'est moi qui vais devenir folle maintenant. Calme-toi, mon amour. Je suis sûr qu'elle est en sécurité chez un ami. Mais Sophia ne se rappelle plus qui. Sophia, appelle tous les contacts de ton téléphone, tu m'entends? Tout le monde, tu dois retrouver ma fille. Donne-moi ce téléphone, Bérénice. Je vais trouver une solution. Je ne peux pas. J'ai oublié mon code et il n'arrive pas à identifier mon empreinte. Ma petite chérie. Ne t'inquiète pas, mon amour. J'appelle la police de Jouetville. Pour l'amour des jouets, qu'est-ce que tu as fait, Sophia ?